La deuxième condition, c'était quoi? On revoit le résumé directement ça. Il faut prendre deux vecteurs dans l'ensemble, scalaire dans ce sont des scalaires, donc ce sont les nombres dans R, tels que alpha x plus y appartient à F. Là, je parle de qui? Des applications. Donc moi, je dois prendre deux applications dans F, un scalaire dans R, ça c'est mon départ, et il faut arriver alpha F plus G dans F. Donc ça c'est mon départ, ça c'est mon arrivée. F, G dans F, ça veut dire 2F de 0, c'est F de 1, G de 0, c'est G de 1. Je vérifie juste ce que donne F fois G dans F. Maintenant, comme j'ai dit, le but c'est d'arriver alpha F plus G dans F. Donc, il faut vérifier que 2 alpha F plus G au point 0, c'est alpha F plus G au point 1. Si j'ai l'égalité, donc je vérifie le critère de F, le critère d'appartenir à F, et c'est bon. Donc, je vérifie est-ce que c'est égaux, oui ou non. Donc, je prends 2 alpha F plus G de 0. Ça, c'est court. Si x, f de x, ok. F plus g de x, c'est f de x plus g de x. Alpha f plus g de x, c'est alpha f de x plus g de x. Donc, ça, c'est pur court. Et donc, maintenant, c'est bon. Je veux aboutir à alpha f plus g au point 1 pour faire l'égalité. Je vais commencer de alpha f plus g au point 0. Il faut arriver à alpha f plus g au point 1. Donc, je remplace. C'est quoi f de 0? Ou bien, juste, je mets le scalaire dehors au départ. C'est une étape supplémentaire. 2 alpha f plus 0 plus 2g de 0. Donc, j'arrive que ça égale à au point 1. Donc, alpha f plus g appartient à f et j'ai vérifié les deux critères. C'est plus clair, voilà, non? Oui. Voilà, tu vas voir plusieurs exemples. D'abord, on va vérifier ça. Ça, c'est continu. Okay? Donc, on a deux erreurs. Ça, c'est E, E, E. Et ça, c'est continu. Et ça, c'est dérivable. Il y a une erreur du temps. Donc, application continue, telle que application continue au point 0 égale cette application continue au point 1 moins x. Donc, normalement, est-ce que ça vérifie les critères? L'application nulle appartient? Oui, parce que l'application nulle, ça va me donner 0 égale à 0. C'est bon. Deux applications nulles, la somme, deux applications maintenant dans cet ensemble, si elles sont continues, est-ce que la somme va être continue? Oui. Je veux voir qu'est-ce qui se passe pour ça. Donc, on va faire étape par étape. On commence par, premièrement, donc comme on a dit avant, il faut tester que le vecteur 0 appartient à... OK. Donc, maintenant, c'est ça. F dans E, F continue pour tout x, f de x, c'est f de 1 moins x. Donc déjà, l'application 0 appartient à f. Tu peux écrire pourquoi, mais tu peux dire directement pourquoi. L'application 0, elle est continue. Et 0 de x, puisque c'est l'application nulle, c'est 0. Et 0 au point 1 moins x, c'est 0. J'ai l'égalité, donc j'ai vérifié le critère de cet ensemble pour pouvoir faire membre, si tu veux, ou bien un élément de cet ensemble-là. Et donc, l'application nulle appartient à F. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ça, c'est juste. Il faut le départ. FG dans F, alpha scalaire dans R, et arriver où? Donc, ça, c'est le départ. Pour arriver, mon but, c'est montrer alpha F plus G appartient à F. Donc, ça, c'est mon point de départ, et ça, c'est mon point d'arrivée. Que dit FG appartient à F, ça, c'est là quoi? Ça veut dire que ça respecte le critère d'appartenir à F. Donc, ce sont des fonctions dans E, ça c'est sûr parce que c'est l'espace vectoriel. Ils sont deux fonctions continues et g de x au moins g de 1 égale à g de 1 moins x et f de x égale à f de 1 moins x. Donc, on a écrit FG continue, f de x égale à 1 moins x et g de x égale à g de 1 moins x. Maintenant, on passe. Je veux arriver alpha f plus g dans f. Donc, qu'est-ce que je dois vérifier? Je dois vérifier que cette application-là, elle est continue, premièrement, et que cette application au point x égale à cette application au point 1 moins x. Donc, bien sûr, ça c'est 1100, 1, deux applications continues, multiplier une par un scalaire, ça va rester continu, faire la somme aussi. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, alpha f plus g au point x. Alpha f plus g au point x, c'est quoi? Comme on a fait avant, c'est alpha f de x plus g de x. J'utilise le fait que f de g appartient à f, donc je vérifie, j'utilise le critère d'appartenir à f.
Donc, ça va être alpha f de 1 moins x plus g de 1 moins x. Ça à la place de f de x et ça à la place de g de x. Je répète, il faut ça, ce n'est pas suffisant d'arrêter là. Il faut aboutir alpha f plus g dans f. Donc, alpha f plus g au point 1 moins x. Comme on a fait de cette étape à cette étape, là, c'est la même chose, mais dans le sens inverse. Ce n'est pas que je factorise, mais ça, c'est la définition d'une application en un point. Sans des applications en un point, c'est ce qu'on fait. Donc, est-ce que j'ai vérifié le critère d'appartenir à f? Oui, ils sont continus. Cette application alpha f plus g, elle est continue. Et cette application au point x, elle est égale à cette application au point 1 moins x. Donc, alpha f plus g appartient à f. Et donc, juste, il faut ajouter. Donc, f, c'est un sous-espace vectoriel. On va faire encore le dernier exemple. F différentiable, cela veut dire dérivable. Et f de 1 égale f de 0 plus 1. Donc là, c'est très clair. L'application nulle n'appartient pas. Pourquoi? L'application nulle, OK, elle est dérivable. Mais l'application nulle au point 1, c'est quoi? C'est 0. L'application nulle plus 1, c'est quoi? C'est 1. Donc, c'est différent. Donc, l'application nulle ne vérifie pas le critère de cet ensemble-là. Donc, cet ensemble-là ne peut pas être un sous-espace vectoriel. Donc, la dernière chose. Okay. Donc, la dernière chose, puisque l'application nulle, donc il n'y a pas besoin de faire tous les détails, tu peux directement dire l'application nulle n'appartient pas à f, mais sinon, tu peux dire l'application nulle au point 0 n'est pas égale à l'application nulle au point 0 plus 1. J'ai oublié la définition, c'était comme ça. Donc, ils sont différents, donc elle n'appartient pas, donc f n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc, maintenant, on passe au dernier exercice, parce que je commence très, si tu veux, lentement avec ce chapitre-là pour que tout soit vraiment très clair. Donc, 4.4.4, dans chacune des cas suivants, déterminer si W est un sous-espace vectoriel de V. Maintenant, c'est quoi? Aussi, je pense que la solution, ça va être E. C'est R4 de X. Que veut dire R4 de X? C'est des polynômes à degré maximum 4. Donc, c'est tous les polynômes dans R. Mais le degré maximum 4, donc le polynôme 0, bien sûr, appartient, x plus 5 appartient, 7x2 plus 8x moins 8 appartient, etc. Et on va tester si W, qui est égal polynôme, mais tel que son degré doit être égal à 4. Est-ce que ça va être un sous-espace vectoriel? Ben, tout simplement, je vérifie. L'application, la matrice, le polynôme nul, est-ce qu'il appartient? Le polynôme nul appartient à l'ensemble qui est le polynôme à degré maximum 4, mais son degré n'est pas du tout 4. Donc là, le vecteur qui est maintenant le polynôme nul n'appartient pas. Donc je vais voir, juste je vérifie, 4.4.4. OK. Donc ça, la première. Aussi pareil, c'est E. Donc, ça, c'est la définition de notre F. On l'a appelé F. N'est pas un C. Pourquoi? Parce que le polynôme nul, donc, puisque je parle des polynômes nuls, le vecteur nul, c'est le polynôme nul. Donc, le polynôme nul appartient à E, mais son degré n'est pas 4. Donc, 0, si tu veux, bien sûr, c'est dans E, mais son degré n'est pas 4. Donc, ça, c'est supplémentaire. Tu peux ne pas l'écrire et directement arrêter là. Maintenant, la deuxième partie. Donc, la deuxième partie. MN de R, A appartient à V. Donc, ça c'est les matrices d'ordre N. Ce sont les matrices où la ligne de, il y a N lignes, N colonnes. Et la trace, c'est la somme des diagonales. Donc, si ça, c'est la matrice. La somme des termes diagonaux, c'est la trace. Si A, c'est une matrice d'ordre N, trace de A, telle que le trace de A égale à 0. Est-ce que ça va être un sous-espace vectoriel? Oui, parce que la matrice nulle, son trace, elle est nulle. Si j'ai une matrice qui a la trace nulle et une autre qui a la trace nulle, la somme, ça va être trace nulle. Ça, c'est du chapitre 1. Et si j'ai une matrice qui a de sa trace, elle est nulle. Et je multiplie par un scalaire, ça n'affecte pas sa trace. Donc ici, E, c'est MN de R. A, c'est les matrices carrées.
tel que la trace est égale à 0. Donc, comme on a dit, 0 appartient à F. Pourquoi? Car, ça, c'est juste, j'ai écrit que, bien sûr, elle appartient à E et la trace, elle est nulle. Donc, vérifie le critère de F. Mais si tu n'as pas écrit 0 appartient à E, c'est juste. On continue. On prend deux matrices appartenant à R, F, un scalaire qui appartient à R et il faut vérifier alpha A1 plus A2. Là, c'est plus détaillé, si tu veux, cet exercice que l'exercice précédent. Donc, j'écris le départ, j'écris l'arrivée avec ça aussi. Donc, tout ça, le départ. Et il faut arriver ici. Donc, que veut dire A1, A2 dans F? Donc, il vérifie les critères. Donc, ce sont des matrices carrées d'ordre n, telles que leurs traces, ils sont, là, c'est faux, telles que les traces, c'est égal à 0. Je veux juste ajouter, la trace de A1, c'est égal à trace de A2, mais c'est égal à quoi? Donc, ça manque, c'est pas faux, ça manque égal à 0. Il faut arriver où? Alpha A1 plus A2 appartenant à F. Donc, ce sont des matrices carrées, bien sûr. Et on va calculer leur trace. Donc, la somme va être bien sûr une matrice carrée. Et la trace, c'est quoi? Ça, c'est du chapitre 1. Okay? Donc, je ne veux pas expliquer ça. Ça, c'est du chapitre 1. Ça va être alpha trace de A1 plus trace de A2. Et on a trace de A1 égale trace de A2. Je répète ça, il manque égal à 0. Donc, on a vérifié le critère de F et donc alpha A1 plus A2 appartient à F. Donc F est un sous-espace vectoriel. Puisqu'on a encore du temps, je veux faire la moitié de cet exercice parce que ça, on ne connaît pas encore. L'exercice, si je pense là, on n'a pas fait la somme. On a fait, tu as regardé un vidéo concernant la somme ou non? Je ne pense pas. Attends. Donc, on va faire juste la partie 1. Soit Sn, l'ensemble des matrices symétriques d'ordre n, et An, l'ensemble des matrices antisymétriques d'ordre n. Montrer que Sn et An sont des sous-espaces vectoriels de Mn de R. Donc, on va commencer. 4.4.5. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on a? An, l'ensemble des matrices symétriques. Je l'écris mathématiquement. Cela veut dire que c'est une matrice carrée et le transposé de M, c'est M. Ça, c'est la définition matrice symétrique. Mn de K, c'est matrice symétrique et coefficient dans K. Donc, j'ai montré pour n'importe quel K. K, c'est dans ou C ou R. S'il est C, c'est juste. Et s'il est R aussi, c'est juste aussi. Donc, est-ce que la matrice, ça, les vecteurs, ce sont des matrices nulles? Est-ce que la matrice nulle appartient à N? Oui. Pourquoi? Parce que c'est une matrice carrée, bien sûr, et la transposée, c'est égal à 0. Donc, 0 appartient à An. Maintenant, on veut, pour n'importe quelle deux matrices dans An, pour n'importe quel scalaire, montrer An plus M' appartient à An. Donc, ça, c'est le départ et ça, c'est l'arrivée. Le départ me donne quoi? Deux matrices dans An, donc vérifie tous les critères de l'ensemble An. Donc, ce sont des matrices, bien sûr, carré d'ordre n. Donc là, il y a beaucoup d'étapes très, très, très détaillées, telles que transposé de m égale à m, et là, transposé de m' égale à m'. Le but, c'est am plus m' appartient à n. Donc, est-ce que c'est une matrice carrée? Bien sûr. Mais est-ce que la transposée de cette nouvelle matrice, est-ce qu'elle est égale à elle-même pour qu'elle soit symétrique? On vérifie. Donc, ça, c'est sûr, parce que mn, c'est l'ensemble des matrices symétriques. Et là, transposé de am, c'est comme on a fait avant. C'est A transposé de M plus transposé de M'. Et on utilise que le fait que transposé de M, c'est M, et transposé de M', c'est M'. Donc, on a abouti, là aussi, c'est une étape supplémentaire, on peut le palanter, on a abouti que la somme, c'est dans Mn de K, et transposé de la matrice, elle est égale à elle-même, donc elle appartient, elle vérifie le critère de An. Donc, An, c'est un sous-espace vectoriel. Là, c'est rapide parce que c'est exactement la même chose. Maintenant, il faut montrer que si Sn, c'est l'ensemble antisymétrique, ça va être aussi un sous-espace vectoriel des matrices d'ordre n. C'est quoi la définition antisymétrique? On est toujours matrice carrée. Transposée, c'est l'opposé. Les mêmes étapes. Est-ce que le 0, comme on a fait avant, est-ce que le 0 appartient à Sn? Là, je suis désolée, c'est mentionné... W, je veux modifier ça. Le 0 appartient à Sn, bien sûr, c'est une matrice carrée.
parce qu'on est dans, dans l'espace vectoriel des matrices carrées. Donc, je ne peux pas parler des autres matrices nulles. Je suis ici parce que ça, c'est mon espace vectoriel. Donc, transposé de 0, c'est moins 0, c'est 0. Donc, bien sûr, 0 appartient à Sn. Deuxième condition, ça, comme avant, deux matrices dans Sn, scalaire dans K, il faut montrer A1 plus M', c'est dans Sn. Donc, ça, c'est le départ et ça, c'est la dérivée. Je veux juste faire une chose. Là, OK. Là, c'est Mn de R. Moi, j'ai écrit Mn de K. OK. Donc, moi, la solution, c'est beaucoup plus large. Ou bien, ça inclut le fait qu'on a fait la réponse pour R, et pour C. Parce que la solution, c'est pour K. Mn de K. Donc, si c'est vrai pour Mn de K, donc ça va être vrai pour K égale à C ou bien K égale à R. Parce que dans ce chapitre, c'est mentionné au départ, les scalaires sont dans K, K, C ou R. Donc, le départ M' dans Sn, cela donne quoi? Qu'elle vérifie le critère qu'ils sont des matrices carrées et ils sont des matrices carrées antisymétriques. Donc, transposé de M, c'est l'opposé et transposé de M', c'est l'opposé, son opposé. Il faut arriver à M plus M' dans Sn, donc vérifier le critère d'appartenir à Sn. La somme, bien sûr, c'est une matrice carrée. Et il vérifie la trace de cette matrice-là. Pareil, A sort dehors, A, T, M, T, M'. J'utilise le fait que transposé de M, c'est moins M', transposé de M', c'est moins M. Le but, c'est d'arriver où A, M plus M'. Donc, je veux appartenant à M. Donc, je veux transposer de, il faut l'insérer ici, il faut transposer de A, M plus M', ça égale à l'opposé de moins A, de A, M plus M'. Donc, il faut, ça doit être mon nouveau M. Donc, je veux que ça soit moins AM plus M'. Comment ça va être moins AM plus M'? Ben, tout simplement, je factorise. Là, tu peux ne pas écrire tous les détails et directement faire ça. Mais moi, j'ai beaucoup fait des étapes. Finalement, donc AM plus M' appartient à Sn. Donc, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, maintenant, pour aujourd'hui, on a fait l'application. Dans ce chapitre, je veux pas faire beaucoup d'exercices à chaque fois parce que c'est un chapitre très difficile, donc pour prendre le train. Donc déjà, il va y avoir le résumé et ces trois exercices et demi. Donc, est-ce que tu as une question ou non?